Je voulais savoir pourquoi ton parti pris dans la forme et dans la façon de raconter cette histoire, ces histoires, hein, pourquoi ce parti pris autant de la violence et de la colère et de la rage? En fait, en te lisant, j'attendais un moment donné, je me dis, il va y avoir quelque chose peut-être de doux. Un espoir ou une réconciliation, même peut-être timide, mais non, quoi. C'est intransigeant. Il y a une force, mais vraiment dans la violence du début à la fin. Et je voulais savoir pourquoi ce parti pris-là, à ce point, en fait. Je pense que c'est un texte qui puise surtout dans la négativité, tu sais, dans les affects, c'est ça, dans la colère, dans la souffrance aussi qu'il y a en dessous. Puis que j'avais envie pour ça d'écrire un peu un livre qui ne m'est pas confortable, où il n'y a pas vraiment de concession, puis où en lisant, on est assez mal à l'aise, en fait, puis on est assez. On se sent ben, un peu impuissant, on ne sait pas comment se positionner aussi, parce que je pense que. C'est ça, des fois, on a un peu peut-être tendance à assagir la violence du monde ou à la diminuer. Puis des fois, c'est pas nécessairement qu'on veut la diminuer, c'est juste que comme quand on la raconte en termes plus réalistes, disons, on ne lui donne pas tout l'impact qu'elle a eu d'un point de vue plus affectif dans nos vies puis dans nos cheminements. Fait que j'avais envie, aussi en empruntant ce chemin-là, qui n'est pas celui du réalisme, qui n'est pas celui de la fidélité au biographique, de donner toute la force affective, irrationnelle qu'il y avait pour moi dans certains affects.